Ok, salut tout le monde! Donc, c'est Fred. Là, on voit rien parce que. Et fais toute attention, on dirait. Fait que de quelques centimes, c'est pas celle-là. C'est celle-là qu'on veut, vous devriez le voir là. Ok! Donc, Tristan, Ok, juste. salut tout le Et monde. là, Donc, encore. Ça, c'est oublié. Tristan, juste mentionner que ouais, PayPal, j'ai envoyé Hugo sur le dossier parce que moi, PayPal, c'est ça. Des fois, ça prend plus de temps, on dirait. Fait que. I trust you, my friend. I trust you. So I begin the live, esti. Fait que, let's go, 28 spots. 28 spots, un petit break, 20 tranquillos, là, Young Gun. Série 1, 19-20 l'année passée. Ice 18-19 de l'année précédente, 18-19, donc avec d'autres rookies. Fait que là, tu sais, c'est du 19, 18-19 jusqu'à 21. Fait que All Team Random, ça peut être agréable. Il y a des belles cartes dans chaque boîte. Par contre, c'est sûr que c'est pas des boîtes avec des méga. Tu sais, comme mettons, c'est pas des boîtes avec 4 cartes qui coûtent 350$, on s'entend. Mais c'est un petit break que j'aime bien, honnêtement. Donc, Alex Miron, fait un bout qu'on s'est pas vu, hein. Fait un bout qu'on t'avait pas vu, mon ami. Ensuite, Mr. Joe DeLuca, salut, j'espère que tu vas bien. Fait que, on va commencer le random là tout de suite, là, ça va être fait. 9 et on y va. Et après ça, on va aller expliquer. Ben, pas expliquer, on va juste dire c'était qui les teams. Final round, et voilà. Donc, je sais que Sonny Robitaille va se retrouver avec. Les Bruins, ensuite Hugues Blais, les Sabres de Buffalo. Hugues, ensuite Caroline Dave, La Roche, Tommy Beauchamp se retrouve avec les Hawks. Colorado, Christian Laberge, Tristan Gallant se retrouve avec les Blue Jackets. Dallas, Tommy Gagnon, les Red Wings, Yannick Bouchard, Samuel. Paulus se retrouve avec les Oilers d'Edmonton, Myrna Sam, la Floride, les Kings à Maxime Gaudreau. Alex Miron qui fait son comeback et qui a les Habs, 18-19 en année recrue de Kotkaniemi. Ah, pas pire pendant tout ça. Mais 19-20 par exemple, c'est dans la série 2 de 19-20, nous on a la série 1. Fait que c'est Quinn Hughes puis Jack Hughes. Ensuite, Nashville, Kevin Lachance, c'est peut-être les Devils pendant de Jack Hughes. J'ai le père Pépin, les Islanders, Monsieur Godet, les Rangers. Donc lui à surveiller, c'est l'artefact. Ensuite, Ottawa, Tommy Gagnon. Pascal la Liberté, les Flyers, les Penguins, Alexandre, Steve Robitaille, il termine ça en beauté. Alors, c'est son deuxième, les Blues. Ensuite, Mickaël Ballo sauvé de Lightning. Maple Leafs, c'est Mickaël Caron, Tommy Gagnon, Vancouver, gros club. Avec la Young Gun de Quinn. Simon Bédard, Washington, Golden Knights, LP Leblanc, Joe DeLuca se retrouve avec les Jets et les Coyotes. Olivier Chalifoux, les Wild et les Ducks. C'est Steve Robitaille, il se retrouve avec San Jose et Calgary. Donc, Steve Robitaille qui se retrouve avec 4 spots au final. C'est pas pire. On s'en va live, c'est. Break de lutte, je sors ça demain. C'est juste parce que je voulais être sûr, là, parce que je me sens emballé, puis je trouve ça drôle. Fait que j'ai acheté des figurines, puis tout, là, ça va être vraiment funny, mais je voulais juste m'assurer que tout soit là demain. Mais ça va être 40 pièces. Voilà. Et là, je vais aller mettre le défilement. 40 dollars, mais pour vrai, c'est vraiment pour avoir du fun. C'est un break, là, qui va être là, genre. Pour vrai, moi, j'ai quasiment le goût de m'acheter un spot. Je pense que je vais m'acheter un spot ici. Je vais m'acheter un spot, là, ça va être funny. Donc, définitivement, vous devriez le voir là. OK! Donc, on va commencer avec la série 1. Après ça, on va aller dans la Ice. Après ça, la Artefact. Puis, mais si t'as compris le concept, c'est hot en esti, là. Parce que là, si t'écoutes le Rumble dimanche, ben, tu vas savoir si t'as été assigné numéro 17, si t'as été 17. Ça serait fou, là. Là, tu vois ça, pis t'es comme genre, oh mon dieu, c'est Seth Rollins qui a fait un comeback. Là, genre, tu dis, Chris, j'ai peut-être des chances de finir premier pour vrai, fait que je vais avoir le premier choix dans le break. C'est quand même le fun. Je me dis, ça peut être le fun. Donc, et voilà. Et qui aimerait ça avoir une petite Jack Eichel de malade, s'il vous plaît. On va bien essayer sur le cover de la Ice. Je sais que le update, j'ai sorti ça update signature Puck. Une signature, qu'est-ce que c'était ça, Puck? Qu'est-ce que c'est? Une signature Puck de la Ice Update Rookie, justement. Check bien, Alex. Ok, là, mettons, là. Check bien, Alex. Mettons, là, que quand j'ai les 30 spots qui sont faits. Dans le Rumble, dans la vie, il y a 30 lutteurs qui vont participer.
participé. Donc, il y a 30 entrées de lutteurs. Fait que, il y en a deux qui commencent au début. Où je me souviens plus si c'est deux ou quatre. Là, à chaque fois, je m'en souviens jamais, même si j'écoute à chaque année. Puis à chaque 2 minutes, là, il y a un nouveau lutteur qui rentre. Puis là, c'est comme genre, OK. Puis c'est en ordre. Là. Fait que là, toi, mettons, c'est tout marqué ici. C'est le 18e, le 19e, le 20e, etc. Puis là, toi, mettons, on fait un random quand on a les 30 spots. Puis dans le random, toi, tu te retrouves avec le chiffre 18. Mais toi, ton lutteur qui va t'être assigné, c'est la 18e entrée au Royal Rumble de dimanche. Fait que là, toi, si t'écoutes le Royal Rumble, ben tu vas voir, tu vas espérer que ton lutteur qui rentre 18e, ça soit un bon, puis qu'il finisse premier, parce que si tu finis premier, ben c'est toi qui vas parler en premier pour le break, puis tu vas décider ou pas si tu gardes la carte, ou t'en passes au deuxième. Là, le deuxième, il choisit si oui, il attend ou pas, puis on passe au troisième. Parce qu'il y a 15, dans le fond, il va y avoir 15 signatures. Et ça va être les 15 derniers qui vont survivre au Rumble qui vont l'avoir. Ça ressemble à ça un peu, je sais pas si c'est un peu plus clair. C'est vrai que je vais faire une vidéo demain pour l'expliquer en sortant le listing. C'est juste que, man, on fait ça le show de lutte, il est dimanche soir, mais nous autres, on va faire ça le lendemain, le lundi, là, pour être sûr que tout le monde soit là. Parce que justement, Chris, faut que tout le monde soit là pour dire s'ils veulent ou pas la carte, là. Et on commence avec une canvas ici de TJ Oshie pour les Caps de Washington. Simon Bédard, c'est toi qui a le premier petit hit et on continue. Et là, Wayne Gretzky update. Donc, c'était sa fête hier à Wayne Gretzky, la merveille. Les Rangers de New York, Alexis Godet, ça s'en va chez vous. Et on y va. On continue. Une petite Ryan Pulock pour les Islanders de New York. Une Yuli Game jersey. Donc portée lors d'une partie. Petit jersey. Pas de Young Gun dans cette première, dans ces trois premiers paquets-là. On y va. Non, mais c'est ça. C'est ça qui fait que c'est hot. C'est que là, tu vas pouvoir, genre, justement, tu vas avoir hâte à ce numéro-là. Voir ça va être qui, tu sais. Si t'écoutes un peu la lutte, tu vas dire aïe, aïe, c'est sûr que. Finalement, c'est de la merde parce que j'ai genre Heartroot là, ou une affaire de même. Mais tiens, justement, s'il y a un comeback de Lesnar, tu vas virer fou si c'est ton lutteur. Tu vas décrire, je vais faire des premiers. Donc, une petite Mikael Butker ici pour les Sénateurs d'Ottawa Canvas. Et notre première, gang, c'était de Brady Keeper pour la Floride. La Floride qui est une possession de Brian Hassan. Bree J. Nice. Go, moi je m'en crisse, je m'assume d'écouter et aimer la lutte. J'écoute ça depuis que je suis jeune. Maintenant un bout j'ai arrêté parce que genre. Ben, je sais pas, j'aimais plus ça. Puis là, je vais recommencer parce que je trouve ça drôle. Ça. C'est correct, qu'est-ce que c'est? Mais oui! Go, imagine une. Ben, le problème, Yannick, c'est que ça passe pas à la TV, ça passe à genre. C'est un pay-per-view. Patrick Laney, Next Generation. Fait que soit que tu. C'est comme la UFC, tu sais. C'est des pay-per-view, là. Même s'il faut que t'ailles. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Faut que t'ailles le Netflix de la lutte, là, pour pouvoir l'écouter. Fait que. Sinon, là, il y a des streamings partout, man. Dans le pire des cas, là, dimanche, là. Dans le pire des cas, Yannick, si tu veux l'écouter dimanche, là. Tu viendras me parler en privé. Il m'a donné un site, là, qui est incroyable pour les événements de sport, de même. Tu. John Cena, hein? Une Young Gun match, Roy! Fait que c'est ça. Moi j'ai des petits bris de lutte aussi dans mes affaires. Fait que quand on frappe une grosse carte, on a du John Cena. Et maintenant on est rendu avec du Shane McMahon. J'espère l'utiliser, là, bon escient. Let's go, là. Une Pierre-Luc Dubois pour Columbus. Tristan Gallant, premier insert. Checklist, Energy, Patrick Kane. Playhawks de Chicago et Tommy Beauchamp. Checklist encore. Il est resté des bases. Il nous manque toujours 4 Young Guns à trouver. Moi, je vous le dis, ça sent la Queen News. Ça sent la Queen News. Vancouver, prépare-toi, là. Tommy Gagnon, là. Mais le pire, c'est que ceux qui ont peut-être. C'est fou comment, genre.
Ah, je vais essayer de. Je vais en mettre plein de tunes. Je vais mettre plein de tunes de lutte de lundi. Matthew Tkachuk, Yuri Canvas pour Calgary. Et on a une Young Gun ici de Libar Hajek pour les Rangers. Je pense que c'est lui hein, qui s'était fait ramasser dans le camp par. Dans le camp pré-saison des Rangers par Lafrenière, là. Pas mal la seule fois que Lafrenière a ramassé là, depuis. Mais tu sais, il n'y avait pas eu de camp pour de vrai. Il a pas joué Team Canada, man. Ça fait genre 9 mois qu'il n'avait pas joué, puis il arrive dans le show. Fait que Mathieu Barzal ici. Next Generation. Mais tu sais, en même temps, on peut se dire la même affaire, man, de Romanov. Tu sais, mais en même temps, il était là l'année passée dans la bulle. Fait que c'est un peu c'est quoi. Fait que. Let's go là, si là. Moi je pense que. Moi je pense. Tu vas voir la tu vas voir le cavalier aussi, man. Le cavalier première année, là, 28 points, man. First choice overall, plein de pression. Moi je pense que du. Je pense que Lafrenière, c'est. Je pense juste une question de temps, là. Et on a. Ouh! Et je l'avais dit! Here comes the money! Money, money! Hey, je l'avais scalé, la petite Young Gun. Canvas. La petite Young Gun. La petite Young Gun tout court de Quinn Hughes. Ouh! Incroyable. Et vous aussi, vous direz c'est incroyable. Et attends, on va en mettre une version en français. On va la mettre ici. Quinn Hughes. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une Alexandre Tessier, lui aussi en passant, là. On a un pas pire à avoir là, ces temps-ci. Là. Alexandre Tessier, Columbus. On a une pas pire aussi à avoir, là, la Young Gun de Tristan. Pas Tristan, mais. Ben, c'est Tristan qui a les Columbus, mais. C'était Dustin Byfuglien pour les Jets. Mais la Young Gun d'Alexandre Tessier pour Columbus, ce serait pas pire aussi. Toujours les mêmes magiques. Kuzambo qui est venu chercher ses cartes. Je vais pas citer ça tantôt. Là. Il a pris deux belles cartes. De Justin Herbert. Rookie. Deux belles Prism. Des Splash. Ouais, bon, je vais mettre ça sur le groupe et sur la page. Là, là le problème, c'est que je. On a un Instagram. Puis là, j'arrête pas de le monter tranquillement, pas vite. Mais je fais aucune promotion. Nathan MacKinnon, j'ai a personne sur le groupe qui le sait, c'est pas marqué nulle part, je vais juste le monter en attendant, à un moment donné je vais le sortir, parce que ça va être beau. Mais je devrais mettre plus de photos sur le groupe. Carter Hart, UD Portrait. Donc, et on va avoir une autre rookie, regardez bien, c'est Alexandre Tessier. Oh, c'est une Teddy Bluger pour les Penguins de Pittsburgh et Alex Rheaume. Je suis bien content d'avoir eu la Quinn Hughes. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une bonne Young Gun. Ben, il y a la Cool des Glaces que j'ai sorti avant hier. Dans la 19-20 là. Je l'aime bien la 19-20 pour être bien honnête là. J'aime ça l'ouvrir. C'est sûr que la 19-20 série 2. C'est quelque chose aussi là. Non, je pense que c'est. Je pense que Glace est dans la série 2. En tout cas, j'ai sorti Glace avant hier là. Peut-être même hier. Et on a une canvas ici de David Pasternak. Hein? Donc ça c'était un match en c'est déjà vidéo qui vient, man. C'est de la République tchèque. Donc c'était le match à Boston. La République tchèque qui contre les Flames. Une petite Patrick Roy update pour Montréal et Alex Miron. Une Shooting Star pour regarder. Donc, ça, c'est la variante un peu plus de luxe là, pour Buffalo. Donc, la rouge. Hugues Blais. Donc, c'est pas Jack Eichel, mais c'est Rasmus Dahlin, qui est un des meilleurs défenseurs de ligue. Très sous-estimé en plus. Tellement jeune en plus. Hein. Effectivement. Puis Batman hier dans un bar a cassé la gueule au petit fanat à Ketchuk. Avez-vous vu son frère justement, man?
Ah bah Brady, tu sais, mettons, là, parce que tu parles de Brady Tkachuk qui s'est fait péter la gueule par Batman. Mais Matthew Tkachuk hier, qui pogne, tu sais, c'est correct. Là, moi aussi, pour vrai, tu me lances la puck, surtout quand j'ai perdu, tu me lances la puck quand je suis à genoux à la fin de la game. C'est sûr que je m'en vais te crush-talker dans la face. Evgeny Kuznetsov ici, Energy. Mais, après ça, au banc, quand il rentre, il se met à genre comme vouloir, comme. Tout tassé, puis là ça fait juste, il me faisait penser. Vladimir Tarasenko aussi pour Saint-Louis, il me faisait penser à quand Alex Semin était battu, là, pis, il donnait des coups de tambour, on dirait, sur le gars. Là. Hey, il nous reste une Young Gun? Eh oui, Anaheim, et on termine le bal avec une petite Max Jones pour les Ducks d'Anaheim. Ducks d'Anaheim qui appartiennent à qui? Qui appartiennent à notre ami Olivier Chalifoux. Hey Olivier Chalifoux, là, t'as participé, je pense, tantôt, c'est genre, t'as fini par avoir le Wild pis les Ducks aussi, man. Fait que, ouais. Ouais, de la moyenne, veut qu'éventuellement, tu vas pogner les Canadiens. Hein. Ok, ensuite, on va aller dans la Ice. Batman Young Gun, ça vaut la pièce. Effectivement, 1000 pièces. Parce que nous autres, une boutique, tout à 1000 pièces. Tu veux quelque chose de 1000 pièces. Tu veux le balai, là? Le balai qui traîne là, 1000 pièces. Tout à 1000 pièces. Vente de feu, 1000 pièces. Ok, donc on va commencer le trêve de plaisanterie. Drew Doughty, je pense que c'est celui qui a eu le plus. Mathieu Tkachuk, là, Mathieu Lozière, je te dirais là. Donc, Christian Laberge qui dit c'est le temps. Quelle équipe que t'as, Christian, juste pour être certain? L'Avalanche du Colorado. Blake aimerait savoir une petite POC trilogie rétro. Ça va être dur, là. Je sais pas comment qu'il y en a des rétros, là. Mais là, j'ai tout enlevé. Ok. Et on va avoir une petite main. Regarde, je fais des efforts pour. Je fais des efforts pour. Une Brand Marchand. La verte. Pour Boston. Et on a une petite Dominique Turgeon, la 362e sur 999. Donc, le gars de Pointe-Claire, la 362e pour les Wings, la première, Ice Première. Ouais, les gars. Ouh! Oh, c'est sûrement une exquisite, là, en passant, là. Mais là, les exquisites, le passé au rookie qu'il y avait, là. Et je vous confirme que c'est une exquisite. Fait que là, préparez-vous les chums. Il y a une exquisite qui s'en vient. Fait que. Est-ce qu'elle va être signée? Elle va-tu pas être signée? On sait pas. Mais il y a une exquisite dans chaque Ice 19, 18, 19, là. Fait que, hein. Tyler Seguin Green. Et une Sub-Zero Rookie. Sur 999, la 748e pour Dennis Kolowski, les Red Wings de Détroit. On va voir notre morceau de jersey. Et c'est Dylan Larkin. Green et notre jersey Ice Premier. C'est une NT. Suomela pour les Sharks de San Jose. Sharks de San Jose. Et là, Hugues Blais qui souhaite que ça soit une Casey Middlestat. Exquisite. Je le prends, je te le souhaite, mon ami. Je te le souhaite, mon ami. On va juste prendre une plus grosse sleeve parce que là, je m'en compte. Moi je veux pas maganer jamais aucun coin, fait que j'essaye même pas quand je veux ça rentre pas. Quand j'ai pas l'espace. Ok, donc Détroit, comme quand même bien les Bouchards là. Quand même une coupe de cartes là. La Green, Clayton Keller. Et en dessous, on va avoir une première de Igor Ouzyganov pour Toronto. Là, c'est celle-là, c'est celle à 1299. Là, c'est beaucoup de prints, ça, là, tant qu'à moi.
Bon, mais t'es chanceux, t'as la 1226e, Michael Caron. 226e. Et Mathieu Rosière qui aimerait savoir la Miro Escanen à Dallas. Et ça irait à notre chum Tommy Gagnon, qui a déjà la Quinn Hughes parce qu'il y a Vancouver aussi. Et là, ok. Donc là, ouh. Ouh. Ok, on a deux grosses affaires. On va aller voir ici la carte, ok? On a la Patrick Laine. Est-ce qu'elle est signée? Elle va être signée sur 199. J'ai pas vu c'est qui. Et c'est une Jordan Greenway pour. Et en dessous, on a une petite première. Donc, le Wild du Minnesota. Le Wild. Donc, Art 5, Jordan Greenway. Pour Olivier Chalifoux, la 138e. L'ailier gauche, Art 5. Nice. Belle carte, ça. Donc, exquisite, exquisite. Pour Jordan Greenway. Art 5 sur 199. Effectivement. En fait, j'avais vu un peu le vert. Pour être bien honnête, j'avais vu un peu le vert. Et là, j'étais déçu. J'étais comme. Oh. Parce que savez-vous qu'est-ce que j'aime pas, j'aime le moins, man? C'est quand, sans faire exprès, Chris, je monte une carte. Et on a une petite Colindelia sur 2299. Puis que je monte une carte. Puis que là, quelqu'un l'a vu, mais ça a été subtil. Puis c'est comme le seul à l'avoir vu. Puis il est comme. Je l'ai vu! Puis je suis comme. Man. Là, j'étais comme, ah oh, bon, il a vu que c'était vert, il a vu que c'était Dallas, je suis comme, oh, non. Ok, je peux rien faire. Ok, donc là, regardez, là, on a une petite rouge, là. On a une petite rouge ici, là. Regardez ça, là. D'habitude, c'est des variations vertes, là. Fait que les variations vertes comme ça, on a une rouge, là. Et je vais vous avouer que c'est la première fois que je vais en voir une. Donc, j'ai aucune idée de si c'est complètement fou dans la tête. Je vais juste aller voir si. Les bases en dessous. C'est la dernière carte. Et c'est une rouge sur 5 seulement. Et là, le Wild passe complètement la gratte. Donc, et là, 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 là. Et le Wild là, dans la ice, oh là, wow. A oh, une sur 5 seulement. La première print, Mikael Granlund. Donc, sur 5 exemplaires seulement, la red. Wouh! Ah, ah, il passe la gratte dans ce boîte-là. On s'entend. Quand même. Fait qu'Olivier Chalifoux, t'as vu? T'as eu encore l'équipe pendant que t'étais déçu quand t'as vu tes affaires, mais man, tu t'es retrouvé avec le Wild. Olivier Chalifoux. Incroyable. Et vous aussi, vous direz c'est incroyable. Bon, ok, donc on va la mettre ici. Ouais, mais en passant. Pour le Wild, ils seront plus jumelés, là. Ils seront plus avec les Ducks. Ce sera plus deux équipes, là. C'est parce que, tu sais, quand on regarde ça, là, en ce moment, là, ils ont une Young Gun en 2021. Puis c'est la Pilgrim, le goaler, que tout le monde en a rien à battre. Fait que, incroyable. À date, on a eu deux belles boîtes. Pour vrai, là, la 1 sur 5, là, je trouve ça vraiment cool. C'est. Wow! Il faut le voir pour le croire. Effectivement, comme dirait Yannick Margeau. Les plus vieux sauront de qui je parle. Lui a commencé par faire la météo à TQS. Après ça, il a commencé à croire que c'était une star. Il a animé des émissions telles qu'il faut le voir pour le croire. Qui est un peu l'ancêtre de YouTube. Honnêtement, là, c'était genre justement. C'est comme. Il y a eu drôle de vidéos que ça, c'est complètement pour les matantes. Là, après ça, il y a eu la mode des fails. Il faut le voir pour le croire. C'était comme, genre, avant YouTube, avec des fails. Ces affaires-là. Le bon vieux temps de la télévision. Et là, on commence fort. Ok, on commence fort. On va attendre pour la fin. Excusez, là, je ne vais pas le déplacer, là. On commence, je pense, avec une patch rookie. Là. Fait que, regardez ça. On va mettre ça. On va mettre ça ici.
Ben, honnêtement, une 4 sur 5 de Mikael Granlund, là, ça va être dur de trouver chose. Je veux dire, c'est juste, c'est une belle carte de collection. C'est ça que je veux dire. Je pense pas une carte qui est dispendieuse. J'aime mieux te le dire. Là, on va avoir une petite Autumn ici. Une Shea Weber pour le Canadien de Montréal. Puis, donc, mais tu sais. C'est vraiment t'sais, pour répondre à la question de Gilbert Pépin là, qui demande t'sais, combien tu penses que ça vaut une sur 5. Je veux dire, ça dépend tout le temps du joueur là. Je veux dire, un update 1 sur 1, là, ça vaut. J'en ai vu qui valait 2 piastres. Fait que même pas là. Fait que t'sais, ça dépend du joueur. Puis ça dépend si le gars le PC. Puis t'sais, c'est comme. Je pense que c'est vraiment. T'sais, moi j'aime les cartes. Fait que quand c'est sur 5, moi, ça m'impressionne parce qu'il y a juste 5 exemplaires là. Mais ça dépend de tant de joueurs là. Tu sais, puis c'est surtout les rookies, man, qui. Tu sais. La valeur des cartes, là, les rookies, c'est genre inestimable. Et une Cam Ward ici. Pour les Hurricanes de la Caroline. M'a gagné un peu dans le coin en bas à droite, là, en passant. Là. Mais. Je regarde ça là, pis. Pis Chris, man, son. Denis m'a fait remarquer quelque chose tantôt là, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de cartes artefacts qui sont mascottes. Dans le sens, vous allez voir là, là je le remarque là parce qu'il m'en a fait remarquer là, mais visuellement rapidement c'est dur là. Mais regardez mettons là, ce côté-là il est supposé être identique à ce côté-là, comme un miroir là. Mais regardez comment le petit carré lui là, je parle lui ici là. Regardez lui là. Peux-tu le voir là? Bref, lui est plus long que lui. Fait que. Esti, man, je pense qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de miscas. C'est épouvantable, man. Pas vrai, là. Là, tu vois, lui, c'est l'inverse. C'est lui qui est plus court que lui, là. Et on va aller voir notre base. Base, base. Fait que faites attention à ça. Regardez bien les cartes que vous achetez sur eBay, là, parce que les gens, ils le voient pas vraiment. Puis, c'était Nico Hischier ici. Elle a l'air correcte là. Nico Hischier, 375 sur 399 pour les Devils. Ah désolé, ça c'était le moment je regarde la carte. Mais on va avoir un autre patch. Ok. On va avoir un autre patch, les chummies. Un autre patch! Tantôt on a eu une black. Fait que ça c'est sur 5. C'est comme tu mettons. On va un autre totem. Et là, tout à l'heure, il y avait un gars qui était pas content là, parce que ça m'arrive des fois là, dans ma tête, ça va vite là. Fait que là, je dis rendition au lieu de dire redemption. T'sais. Puis là, à date, ce que j'allais dire, Carter Hart ici, une autumn. Les autumn là sont, les, faut pas s'attendre à ce que ça soit super. Regardez là, vous voyez comment c'est scrappé. C'est comme découpé comme ordinaire là. Mais les Autumn, c'est surtout pour le code en arrière que les gens les veulent. Parce qu'une fois que vous avez tout rentré vos codes, vous avez la collection, vous pouvez avoir un set spécial qui vous envoie. Upper Deck, qui vous envoie un set spécial. Ok, fait que c'est ça. Fait qu'il avait pas l'air content. Il a marqué en lettres majuscules Redemption. Toutes les lettres séparées. Pour être sûr que je le lise. Fait que c'était là. Regarde la date. Je dis Redemption. Y'a pas de Redemption là-dedans. J'espère que t'es content. T'es fier de moi. Une Kamakor sur 299. La 19e plus imprint pour le Colorado. Et là, est-ce que Buffalo va sortir? Pour Rick Blais, est-ce que Buffalo va sortir? Alexis Gaudet qui veut go 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 les Rangers. C'est celle-là, là. Celle qui est là, mon ami, là. Alexis Gaudet, c'est celle-là qui a peut-être le plus de chances que ce soit les Rangers, ok? Parce que là, c'est, ça m'avait l'air d'être une rookie. Fait que, une patch rookie. Celle-là, c'est une rookie. C'est une rookie.
C'est une rookie. Et c'est une Gabe Vilardi sur 999, la rookie base de Artefact sur, c'est la 320e LA Kings, Maxime Gaudreau. Gabe Vilardi qui fait partie des gens que j'aime bien. Jean-Samuel qui aimerait avoir Edmonton. Ben, gardez bien. Ça se pourrait que celle-là, ça soit une Rangers, celle-là, ça soit une Edmonton. Et là, on va aller voir. Donc, en dessous, on a une petite Cale Makar, Brady Tkachuk. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? Qu'est-ce qu'on a en dessous? Rookie, Laverte. Et c'est une Liam Foudy pour Tristan. Tristan Galant qui se retrouve avec une patch sur 99, la 28e. La 28e sur 99, la rookie, Liam Foudy. Donc, lui, qui va, devrait avoir un peu plus de temps de jeu, là. Avec le départ de monsieur. Avec le départ de notre chumé Dubois. Qui est les deux, c'est des centres. Et là, on va aller voir celle-là. Il nous manque toujours notre auto et on n'a pas eu de redemption. Donc, on est supposé avoir une auto, là. Et je pense que c'est une autre rookie. C'est une autre rookie. C'est une autre rookie. Et là 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 là! C'est une Nick Robertson sur 15 pour Toronto, la 13e print au total. Toronto, Michael Caron. Deux jerseys. C'est drôle parce qu'ils l'ont fait grosse comme c'était une patch. Ouais, ça se peut que ça soit ces bas, même. Ouais, ça soit le. Ça peut, c'est un jersey, ça. Nice one, Toronto, ouais. On a eu vraiment des belles boîtes. Honnêtement, là, pour des boîtes. C'est un petit break là, on a vraiment eu des belles belles boîtes là. Et bien sûr, je vais faire mon petit récapitulatif comme j'aime faire à toutes les fois avec mon top 3 à la fin là. Donc. Là, le problème, c'est qu'on a pas eu de signature, c'est bizarre, ça. Ok, donc ça. Ok, donc on va faire un récapitulatif. Donc on a commencé avec la série 1. Fight Strap, Tommy Beauchamp, merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc une Brady Cooper Young Gun. Une petite Libo, Libo à Jack Young Gun, Matt Roy. On a un jersey dans notre première. La Young Gun de Max Brown, Young Gun de Teddy Bluger. On a eu des Adam de Carter Hart et de Shea Weber. En fait, c'est pas garanti qu'il y ait une signature, mais il est garanti d'avoir 4 trucs, donc ça pourrait être une signature. Okay. Donc, là, on est rendu au bout où je dois choisir, puis je trouve ça très, très dur parce qu'il me reste 5. Okay. Donc, je vais y aller avec. En 5e position, la Liam Foudy, la 28e sur 99 avec une très belle patch pour les Blue Jackets de Columbus. Ma mention spéciale va aller à Mikael Granlund sur 5 exemplaires seulement, la Red. Donc la petite variation rouge Ice. La première exemplaire sur 5. En 3e position, la Rookie Exquisite Art Sign du monsieur Jordan Greenway pour le Wild Minnesota. En 2e position, la Nick Robertson Rookie Fight Strap sur 15 e exemplaire. Et en première position, la Quinn Hughes Young Gun qu'on a pogné dans la série 1 qui est la prima préférée dans les 3. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et demain on sort d'autres breaks pour vous. Vous allez virer fou, vous allez virer fou, vous allez virer fou. Là, on attend du stock. Puis le 1er février, des surprises pour vous. Un teaser qu'on a mis en banner. Fait que, on se voit bientôt. À demain, tout le monde. Content de vous avoir parlé à ce soir. Content d'avoir été là. Content de vous avoir fait. Ciao, man! Bisous, bisous.